Les écureuils sont de petits mammifères connus pour leur queue touffue, leurs, leurs agilité dans les arbres et leurs habitudes de stockage de nourriture. Ils varient en taille, couleur et espèce selon leur habitat, allant des forêts aux zones urbaines. Caractéristiques physiques Taille, environ 15 à 25 cm de longueur, sans compter la queue. Poids, variable selon les espèces, généralement entre 2 cents et 500 grammes. Fourrure, dense, douce et souvent dans des tons de brun, gris ou roux. Que, longue et touffue, utilisée pour l'équilibre et la communication. Habitat. Les écureuils sont répandus à travers le monde, habitant principalement les zones boisées, les parcs, les jardins et même les zones urbaines. Leur habitat varie en fonction de l'espèce, mais la plupart préfèrent les régions où ils peuvent trouver des arbres pour se réfugier et stocker leur nourriture. Comportement et alimentation. Alimentation, omnivore, se nourrissant principalement de noix, graines, fruits, Insectes et parfois de petits animaux. Stockage de nourriture, ils cachent des provisions dans divers endroits pour les périodes de pénurie. Sociabilité, souvent solitaire, bien que certains écureuils puissent vivre en groupe lâche. Activité, très active pendant le jour, (diurne) et souvent très agile dans les arbres. Reproduction. Saison de reproduction, variable selon l'espèce et les conditions environnementales. Portée, généralement de deux à 8 petits par portée. Gestation environ 35 jours en moyenne. Adaptation, agilité, leurs pattes et griffes adaptées leur permettent de grimper et sauter habilement entre les branches. Vision et oui, excellente capacité visuelle et auditive pour détecter les prédateurs et trouver de la nourriture. Fourrure isolante, leur pelage dense les protège des conditions climatiques rigoureuses. Menaces et conservation, les écureuils peuvent faire face à des menaces telles que la perte d'habitat. Les prédateurs naturels et les dangers liés aux zones urbaines, mais de nombreuses espèces sont encore largement répandues et ne sont pas considérées comme étant en danger.